Alles klar. Als ich mir überlegt habe, wie ich den Talk hier anmoderieren soll, hatte ich erst überlegt, ich erzähle so eine kleine Anekdote aus meinem Leben, wie es damals anfing, dass ich mich so ein bisschen für Datenschutz und Netzpolitik interessiert habe. Und das lag damals an so einem selbstgesprayten Stasi 2.0 T-Shirt. Aber dann habe ich angefangen, ein bisschen meine Hausaufgaben zu machen in Vorbereitung auf diesen Talk hier und habe Arne Semsrott gegoogelt. Wahrscheinlich hätte ich vorher schon mehr über ihn wissen sollen, aber der dritte Hit war ein Spiegel Online-Artikel. Ich zitiere: Arne Semsrott, Weltverbesserer mit Biss. Und und ich muss dazu sagen, Klein Arne war damals 19 Jahre alt. Und dann war ich ganz schön beeindruckt. Ja, inzwischen ist er Politikwissenschaftler und freier Journalist für netzpolitik.org und arbeitet für die Open Knowledge Foundation. Da kann man ihn auch am Infostand finden. Er ist dort Projektleiter für fragdenstaat.de und hat eine riesen Liste an Engagement zu Themen rund um Informationsfreiheit, Transparenz, Lobbyismus und so weiter. Und wir freuen uns sehr, dass er uns heute etwas über Irrenes staatlich erzählen möchte. Einen Applaus bitte. Merci beaucoup. Donc, en réaction à l'article, à l'anecdote qui vient d'être expliquée que nous n'avons pas traduit, je ne dirai rien. Feuerfrei. On lance les roquettes. C'est un jeu de mots. Cette année, c'est une année particulière pour la liberté d'information. Et la loi sur la liberté d'information qui existe, ce sont des lois révolutionnaires. Et donc, il voulait, proposer de faire un poster avec lui-même. Den Default der Öffentlichkeit bei Behörden komplett umdrehen. Also, ganz donc, lange war es zum Beispiel im Preußen. Par exemple, quelque chose qui existe depuis longtemps, pendant au moment de la Prusse. Es sei denn, man hat ein begründetes Interesse, diese Informationen zu kriegen. Und Informationsfreiheitsgesetze drehen diesen Default um und sagen, alle Informationen, die beim Staat liegen, die müssen herausgegeben werden. Donc toutes les informations qui sont qui appartiennent à l'État doivent être diffusées. C'est en gros le positionnement de la loi pour la liberté d'expression et la liberté d'information. Et donc cela fait 250 ans, on fête les 250 ans. Et puis une autre, la FOIA, Freedom of Information Act, 50 ans, anniversaire. Et donc la loi allemande relative à l'information, au droit d'information, 10 ans. Et encore une autre loi qui a 5 ans. Et donc celle qui concerne Baden-Württemberg, la région a seulement un an. Et c'est la pire de toute l'Allemagne. Par ailleurs, il y a beaucoup de régions qui n'en ont pas du tout. Par exemple, la Niedersachse, la Saxe, la Bavière. Il y en a donc un certain nombre qui n'ont pas du tout de IFG. Rot-grüne Regierung, Sachsen, schwarz-rote, Hessen, schwarz-grüne Regierung, Bayern habe ich gerade vergessen. Und nächstes Jahr. Donc l'année prochaine, ce sera important, ce sera une année importante pour la loi. Pour la loi concernant la liberté. Alors, l'année prochaine, c'est la Thuringe qui doit avoir pas seulement une loi pour la liberté des informations, mais aussi pour la transparence. C'est pas comme à Hambourg. À Hambourg, il y a des informations qui sont publiées à l'Internet
Et en Thuringe, c'est différent. Ils sont pas obligés à donner des informations. Et maintenant, ils ont un gouvernement gauche. Et le Verfassungsschutz est maintenant. Oui. Doit donner des informations. Ça, c'est une. Ils se battent de ces questions parce que le Verfassungsschutz a donné beaucoup d'argent au NSU. C'est la question, est-ce que le Verfassungsschutz doit donner des informations ou pas? Cette année, on a. C'est Friede Springer, c'est. Et Monsieur Sauer, c'est le mari de Madame Merkel. Les deux sont des bons amis. Et ils ont aussi des relations financières. Et Friede Springer donne 10 000 euros à la famille Merkel. Et on a demandé des informations. Et tous les curateurs de Friede Springer, tous les curateurs de la société Axe Springer reçoivent 10 000 euros par an pour pratiquement faire rien. Alors, si. Un autre exemple, ça, personne ne peut le lire. En fait, c'est quelque chose de scanné, mais c'est un document officiel. Donc, un document de 98. C'est très intéressant, je vous conseille de le lire. Und dieser Bericht, der zeigt zum Beispiel, dass die Deutschen schon vor dem Völkermord davon wussten, dass also Entwicklungshelfer von der GTZ. Alors, avant le génocide en Rwanda, la République fédérale déjà savait quelque chose que ce génocide va se passer. Ça, c'est écrit dans ce paper ici. Im Vorfeld des Völkermords, die dann während des Völkermords für das RTLM Radio gearbeitet haben. Il y a des gens qui travaillaient là-bas qui savaient déjà qu'il va se passer quelque chose. Et maintenant, aujourd'hui, c'est encore important que, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la Bundesrepublik travaille aussi avec des régimes comme en Soudan. Par rapport aux gens qui aux réfugiés du Soudan qui sont ils veulent pas qu'ils reviennent. Maintenant, ce paper a 18 ans et aujourd'hui, c'est seulement cette année que c'est publié cette année. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec la liberté d'information en Allemagne? Beaucoup des journalistes ont, eux, déjà cette information, mais ils n'ont pas publié cette information. Ils ont pensé que c'est ok que la Bundesrepublik a dit que c'est pas à publier. Parce que les gens font des citations dans les cercles de sécurité, c'est pas possible de publier ça. Et c'est pas possible de publier ça au public directement. L'année dernière, le Parlement est obligé à donner toutes les informations concernant quoi? Concernant des expertises. Il y a beaucoup d'expertises variées. Ce sont des expertises qui sont la base pour les lois, les parlementaires.
Ça, c'est M. Gutenberg. Il a plagié, il a fait des plagiats, des expertises. Est-ce qu'il a fait ça? Oui. C'est l'ancien ministre pour le défense, de la défense. On est donc allé au Bundestag et on a dit que c'était pas normal qu'on doive interroger autant d'experts et ça serait plus simple de publier tous ces rapports sur la page d'accueil. Ils ont refusé, donc on a fait une base de données avec la liste des titres de ces documents. Et donc quand on cliquait sur ce document, ça lançait tout de suite une requête pour que le Bundestag nous envoie ces documents. Et donc ça ressemblait à ça. Et le Bundestag, on leur a demandé qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces demandes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est aller au ministère et demander à ce que qu'on puisse pas faire ce genre de choses. Parce qu'ils ne voulaient pas le faire. Et pour ça, le Bundestag a décidé trois mois après cette campagne que tout soit publié. Applaudissements dans le public. Et je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se passe en arrière-plan. Ce qu'ils ont fait en réalité, c'est qu'il y a eu des pressions faites sur le Bundestag. Par exemple, vous avez tellement posé de formulaires, et c'était plus difficile de le faire que de ne pas le faire, donc de ne pas répondre. Nous avons donc cette infrastructure que nous avons construite. Et nous avons pensé, on va se prendre un thème de base du CCC, et qui on demande quand on veut parler de surveillance en Allemagne? On demande le Job Center. Donc 409 Job Center, il y a, donc c'est l'équivalent de Pôle emploi. Ils ont une capacité de surveillance incroyable. Ils peuvent, par exemple, les finances de tous les clients qu'ils ont, ils peuvent les surveiller, et puis aussi des personnes qui vivent en foyer. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines sur Twitter et Facebook. C'est un formulaire du Job Center. Et ça a à voir avec le père d'un enfant lorsqu'il n'est pas connu. Nom, prénom et date de naissance. Nachvollziehbar unterstrichen darzulegen. Ah, das sind Grammatikfehler, das habe ich noch gar nicht gemacht. Gut, il a remarqué une faute d'orthographe. Was Jobcenter machen dürfen, weil Jobcenter seit diesem Jahr sanktionieren sollen, wenn es sogenanntes sozialwidriges Verhalten gibt. Und dann passiert natürlich auch so, voilà ce qui se passe. Dass hier dann der Unterhalt von dem Vater eingetrieben werden soll. Par exemple, parce que là on peut extraire des informations à partir de ce formulaire. Donc à travers le Jobcenter, fragwenstark.de, on a pu rentrer en contact. Voici en règle de quelle manière peuvent être décidées de sanctions. Voici que tellement de personnes ont eu recours à ces formulaires que le Jobcenter a dû répondre. Cher Herr Bayer, j'ai dû. C'est une lettre qui demande un rendez-vous. La sanction des internweisungen est leider nicht möglich, da diese von Mitarbeitern des Jobcenters durch Lernen, Forschen, Nachdenken, Lesen oder auch Diskutieren erstellt wurden. Sie stellen somit geistiges Eigentum dar. Und da haben wir uns gedacht, so eine kreative Antwort, da müssen wir dem Jobcenter Nürnberg-Stadt ein bisschen unter die Arme greifen. Donc l'argument qui a été mis en avant par Jobcenter, ça a été que en fait c'est une œuvre de propriété intellectuelle, donc ils n'ont pas le droit de publier ça.
Et donc, il y a toute une page qui dit que... Que les ouvriers des job centers Nuremberg sont des artistes, pour résumer. Et donc on s'est demandé pour quelles raisons ils faisaient ça. Et donc on a regardé s'il y avait des listes de tels documents qui existaient quelque part, parce que ça serait intéressant de faire des demandes pour récupérer ces documents. Et donc on a trouvé ça. Donc ça, c'est Volkswagen. Ce sont des aides à l'environnement que Volkswagen a reçues du ministère de l'environnement. Et donc on a aussi eu une réponse comme ça. Donc on l'a tellement aimé qu'on en a fait une édition artistique limitée. On a fait 50 exemplaires. Et donc en A3. Et plié à la main et perforé à la main. La question est maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand ce genre de demande en masse ne fonctionne pas? Par exemple, avec la police de Hambourg. Donc la police de Hambourg, elle a été questionnée il y a un peu plus de 2 ans s'il y avait des données par rapport à la violence par rapport au sport. Par exemple, il y a qui a été vu en hooligan, donc on ne sait pas trop, comment on en sort de ce fichier-là. Et la police de Hambourg a dit non, ce genre de données sur la violence au sport, on n'en a pas. Ensuite, il y a eu une question publique qui a été posée au Sénat, et le Sénat a répondu oui, on a ces données et ce depuis 9 ans. Et donc, quand on a recontacté la police nous a répondu que c'était une mauvaise compréhension. On n'avait pas de données sur la violence au sport, on avait des données uniquement sur le sport. Donc, c'est pas une mauvaise compréhension. Pour nous, c'est juste un mensonge. Et donc, en fait, on a intercepté un courrier, un email entre deux organismes qui se disait ici il s'agit de ce qui concerne la violence au sport, et donc c'est clairement un mensonge. Et donc on a demandé réparation et on a gagné 120 euros de dommages et intérêts. Donc maintenant, on a créé aussi Verklag den Staat, dénonce l'État. Et Zerschlag den Staat écrase l'État, en plus de Frag den Staat pose des questions à l'État. Donc le domaine nous appartient. On a fait 2 choses assez importantes. Avec Wikimedia, on a ISG anfragen sofern die Inhalte dieser Anfragen, die dann rauskommen, dann auch in Wikimedia-Projekten genutzt werden können. Alors, also zum Beispiel als Belegungsquelle in der Wikipedia oder Wikimedia donne l'argent pour des questions concernant la liberté d'information. Si c'est une demande, une bonne demande, Wikimedia porte les costs avec la société des pour la liberté des nous c'est Transparenzklagen, c'est eux qui payent les frais pour les plaintes. Alors, ils financent des plaintes et
des aussi des pas des Anwalt, des avocats. Der hat nach der Rieger Straße gefragt, nach den kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin, wollte dazu mehr. Alors, il y a quelqu'un qui voulait savoir quelque chose concernant les rues qui sont très qui ont beaucoup de criminalité. Et la police berlinoise a répondu que je ne sais pas. Donc c'est pour ça que on vous propose d'aller au tribunal et on vous finance. Nous pouvons nous-mêmes, nous avons nous-mêmes posé un certain nombre de plaintes cette année. Et par exemple, notamment vis-à-vis de la loi de transparence dans un des Länder allemands. Donc voilà, il donne un exemple de plainte concrète. Donc le droit de base à décider soi-même de son information. Donc on a les deux dernières semaines, à Karlsruhe et en Rheinland-Pfalz, on a mis en place un recours constitutionnel. Et donc, cette année, par exemple, quelqu'un a posé plainte et il a dit « Je suis Karl-Heinz Thomas de Mézières et voici mon Ausweis. Voici ma carte d'identité qui est fausse, apparemment. » Oui, alors, c'est fonctionné, c'était faux, c'était pas la vraie carte d'identité de Mazière, mais c'est fonctionné et la ville a répondu avec toutes les informations. Ça ne donne pas du sens, sa loi ne donne pas du sens du tout, parce que chaque personne a la possibilité de lancer ses demandes. Les seules personnes qui sont n'ont pas la possibilité de donner des demandes, ce sont des personnes dans les vidéos, par exemple les chats. Est-ce qu'on a encore du temps? Je veux le revoir. Alors, non, on n'a pas le temps. Alors, c'est pourquoi ça ferait sens donc de porter plainte, d'être financé et donc de pouvoir avoir recours à des demandes en masse. Si contre les taxes qui sont demandées quand on pose certains recours, si on se bat contre ça, ça peut devenir moins cher. Voilà, par exemple, donc ça c'est le nouveau t-shirt que nous avons. Ça c'est toutes les données qu'on a. On a toujours un peu de place. C'est tout ce qui a des informations relatives aux tribunaux, au recours en tribunal. Il reste un peu de place dans la deuxième édition. Alors nous espérons qu'on va entendre. Que nous aurions des nouvelles de vous. Voilà, donc notre question, est-ce que vous êtes là pour nous? Ça va être à Thuringe la prochaine fois. Donc d'interroger le président du ministère à Thuringe. Donc, c'est pourquoi Feuer frei, libre feu, disons feu à volonté. Il y a deux ans, Stéphane et moi, qui va venir sur scène, nous avons donc sur scène l'année dernière, l'année dernière avec Stéphane qui était sur scène, ils ont présenté quelque chose et ils ont dit ça, on ne le fait plus jamais. Ça, c'est ce qui nous a été dit ensuite. Donc là, si on pouvait éteindre la lumière, s'il vous plaît.
Viens, on va au centre. Et donc, on a décidé cette fois de faire quelque chose d'autre, d'un genre nouveau. Et donc, c'est différent de Feu à volonté de l'année dernière. Non, d'il y a 2 ans, pardon. Donc, celui qui parle et celui qui connaît les actes que Feu à volonté, c'est ce qui s'appelle Feu à volonté. Je vais amener la lumière, toi devant le tribunal, seulement avec 3 personnes, Feu à volonté. Pose des demandes. Ou bien demande, pose des questions. Une faute, c'est celui qui commet des actes. Malgré que le feu à volonté ne soit pas publié, un document que personne ne connaît. Est-ce que c'est une monotone ? Feu à volonté, demande. Demande. Feu à volonté. Demande, etc. Ce qui est dangereux, c'est le document. Avec feu à volonté. Frankenstein, c'est aussi dangereux. Est-ce que t'es avec nous? Demande. Feu à volonté. Un clic. Nous, s'il vous plaît, nous, seulement un clic. Et tu donneras de l'information. Un clic, seulement un clic, et tu donneras de l'information. Demande. Donc le public applaudit de manière convaincue et festive. Des confettis ont été jetés dans la salle. C'est la fête en salle 2. Sifflements, applaudissements, et les invités sont partis en coulisses. Ah, peut-être ils se font rappeler. Ils disent bise. Alors, il ne faut pas demander dans notre applaudissement, c'était très, très vrai. Alors, vous avez aussi la possibilité de poser des questions, mais pas beaucoup. Comment le ranger, ça c'est une question. Applaudissements et sifflements.
On a une question. Alors, micro 4. Alors, concernant la question de la police à Hambourg avec le mensonge, il y avait une plainte contre la police, mais on n'a pas le droit de savoir le résultat. Alors, une question d'Internet. Oui, comment faire des demandes par rapport aux radios allemandes? Da kann man die auch anfragen. Allerdings ist gerade so bei ARD, ZDF das ziemlich schwierig. C'est très difficile de demander les médias. NDR ist ein bisschen schwierig, das ist eine Vier-Länder-Behörde. Ça dépend des missions. Ça dépend de ARD et ZDF, les deux premières c'est possible. Ils donnent des résultats, mais par exemple, NDR, ce sont 4 Landes, c'est difficile. Dann erinnert man daran, dass die Frist abgelaufen ist und dann kriegt man nach 2 Tagen eine Antwort. Kann man das irgendwie von vorhin? Alors, c'est une question concernant les temps qui sont passés déjà pour une répondre. Mais si rien se passait, on ne peut rien faire. On peut venir avec un avocat, mais normalement, on ne le fait pas. Plus de demandes on lance, plus des demandes sont répondues, je pense. Alors, on n'a plus de temps. Mais si vous pouvez trouver Arne chez le Open Knowledge Foundation, alors encore une fois un applaudissement énorme, s'il vous plaît.